Une étoile catastrophique, décembre 2021, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Ça commence très mal. Cocktail décevant. Portion microscopique, entre parenthèses, en adéquation avec la longueur des jupes des hôtesses. Pardon ? Prix vertigineux, comme leur décolleté, et service nul. Le bœuf Angus n'en était pas. Une honte. Salut ! Ouais, on va dans l'hôtel 5 étoiles, le moins bien noté de France. Alors là, du coup, aujourd'hui, je suis à moitié content. Bah quoi, t'es pas content de la vie que je viens de vivre, là ? Bah non, mais je suis content, on va dans un super hôtel, mais il est nul. L'hôtel avait 300 avis. Je suis retourné une semaine après, il en avait 0. Je retourne un jour après, il en a un. Mais c'est quoi, c'est un truc trafiqué, du coup ? Mais tu peux pas supprimer des avis. Ouais, mais mec, je suis sûr, il y a toujours des techniques. De base, l'hôtel sur TripAdvisor avait 2,5. Ce qui, pour un 5 étoiles, éclaté, on va se le dire quand même. Cependant, il y a l'hôtel. Et il y a en fait le restaurant. Et je crois... appartient à l'hôtel. C'est ça. Le restaurant de l'hôtel sur TripAdvisor est 15 730 sur 15 790 de tout Paris. Arrête. Ah, mais ça veut dire qu'il doit être éclaté. Sauf que c'est un restaurant d'un hôtel 5 étoiles. C'est chaud. Alors, ça veut pas dire que les chambres vont être horribles. Bah, j'en ai aucune idée. J'ai quand même pris la lampe UV. On va quand même inspecter. Évidemment, on est avec Léonard. Hein. Au cas où il m'avait pas vu. De toute façon, il y a ton truc au-dessus de ta tête. Un peu comme une auréole d'ange. Mais c'est ta chaîne. Et quand on clique dessus, ça s'enlève. Ouais, je peux le virer aussi. Aïe, tu m'as fait super mal. Mais quand c'est télescopé. Et ça l'a enlevé. Il y a une semaine, quand j'ai screené 1 sur 5 sur Google. T'as bien fait de screen. Établissement à proscrit. Un gorille à l'entrée, aussi aimable qu'une poissonnière sur un marché. Alors, moi je connais les poissonnières très gentilles. Les poissonnières que j'ai vues, c'était adorable. Le mec, il a établi un cliché de fou. Une hôtesse d'accueil plus préoccupée sur son écran d'iPad que par l'arrivée du client. En même temps, elle a le nouveau truc de Clash of Clans, je peux comprendre. Elle a mis environ une minute avant d'enlever la tête. Oh, c'est bien, gros. Tu sais, elle est là, genre. Moi, je veux pas, moi, je veux pas parler avec toi. Ni un bonjour, ni un bienvenue, mais commence par. Vous avez réservé ? On est complet. J'ai réservé quand même. Ah non, mais tu viens pas ? J'ai pas envie. Très mauvais accueil. Je suis allé expérimenter que le bar et je peux vous dire que j'ai jamais vu un service aussi médiocre. Le manager humilie sa serveuse devant nous. Il nous dit simplement qu'il faut partir car ils ont pas de solution pour nous, que l'on va gêner le passage. Oh, vous gênez les clients là. Mais attendez. Mais on est clients. Nous répondons donc que ce monsieur ne fait pas bien son travail. Sauf que le petit homme au crâne chauve sanguin. C'est quoi ce commentaire ? Crâne chauve sanguin, en fait, il y a plein de veines sur son crâne. C'est comme une tes coups de boule à tous les clients, bah du coup, il s'était un peu roux. Il s'est énervé à cause de son ego de lilliputien. Il nous a donc simplement viré. Bon, bah, bref, c'est là qu'on va ce soir. De toute façon, tout va bien se passer. Hein. Peut-être ça va être éclaté. Si c'est que le resto, ça risque de bien se passer. Allez ! Et alors ? Il est trop bizarre, gros, le budget de la tête. Enfin. Je sais pas, je viens de le voir de ça. Il était comme ça. T'as l'impression qu'il est la Brinks. Bon, bah, on y va. Hein. Let's go. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. J'ai la même chez Orange. Bonjour. Bonjour. Rien du tout. Enfin, un urbex. Non, mais pour l'instant, agréablement surpris parce qu'il y avait énormément d'avis. Une étoile, deux étoiles, décevant, catastrophe. Franchement, c'était un peu long. Mais on s'est pas fait casser la gueule pour l'instant. Le gorille n'a pas encore sorti ses pics. Maintenant, on va visiter la chambre. Mais par contre, je suis dépité, ça sent juste le sexe. Le truc de fou, la carte est en bois. Je pense que ça se mange, c'est comme du bambou. C'est pas une chips, Léonard. Ah, je me suis mis une écharpe. Ouh. Attends. Je vois que cette vidéo est sponsorisée. C'est faux. Si, j'ai ajouté un sponsor. Mais ben, c'est toi qui est rémunéré, pas moi. Sur ma oui, chaîne. Mais en fait, maintenant j'ajoute des sponsors sur les vidéos des autres. Au moins, je gagne plus d'argent. Allez, ouh. Wow. C'est hyper grand par contre. Première pièce à gauche, les toilettes. C'est important d'avoir des toilettes. Mais c'est hyper sombre. Genre, oui, tout est sombre dans cet immeuble. Ah, je pense que c'est un hôtel pour le sexe. Mais peut-être c'est un hôtel pour les amants. Du coup, c'est d'autant plus gênant parce que. On est juste pote. La meuf elle nous a vu, c'est dit Contrairement au inspecté traditionnel, ça devrait être propre. C'est quand même un 5 étoiles. C'est là où la subtilité se joue. Oh ouais, la dinguerie. Pardon. Poil surjouet. Ah, je suis pas fan du tout. Bah, en fait, le problème c'est que c'est un style, mais je n'arrive pas à identifier lequel. C'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est vrai que la salle de bain est style un petit peu. Je sais pas. Oh, je suis mitigé. Je ne sais pas trop quoi penser là à l'instant T. C'est un truc de fou. Depuis que je suis arrivé dans la pièce, j'ai un bouton. J'ai vu vraiment depuis 2 jours. C'est à moi que tu parles. Tu fais quoi ? C'est à moi que tu parles. Est-ce que t'as déjà embrassé ton miroir quand t'étais petit ? Je voulais pas te déranger dans ton intimité. Bon, la chambre. En vrai, c'est stylé, mais j'aime pas la déco. Bah moi j'aime bien. J'ai l'impression d'être dans une bibliothèque. Je vais dire un truc super glauque, mais les murs me font penser à un cercueil. Je suis désolé, vraiment. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression qu'à tout moment, je peux appuyer sur un panneau, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Le gars voit des pièces secrètes partout. Ils ont mis une attache anti-vol de tableau. Arrête. Je peux pas voler le tableau. Non mais ça va être noté dans leur note. Je vais quand même payer le tableau. Non, c'est pas compris Alex. Ah, c'est normal qu'ils soient mal notés. Rappelons tout de même le prix de la chambre, 500 euros la nuit. En vrai tu t'es un peu fait arnaquer gros. Oh ! Ah bah ça change tout, bah, je retire ce que je dis, ça vaut tout à fait. T'aimes bien le macaron toi ? Attends, ouais. Je goûte le macaron.
Alors ? Je pense que c'est des macarons de bonne qualité. C'est pas vite de dire ça. Le fait qu'on soit dans un hôtel qui coûte très très cher. J'essaie de verbaliser, j'essaie de mettre des mots sur ma pensée. T'as payé combien déjà ? J'ai payé 500 euros, Léonard. Ça vaut pas 500 balles. C'est toujours le problème de Paris, quoi. Ça vaut quand même pas 500 balles. C'est quoi ? C'est une barre de granola au miel et aux graines. Oh, j'ai l'impression qu'ils viennent de me prendre pour un pigeon, quoi. En parlant de pigeon, j'ai goûté cette barre, j'ai pris une petite bouteille de badois dans le mini bar. Ça m'a coûté 27 euros. 27 euros ! Oh, c'est du chocolat. Mais non, c'est une fléchette. Regarde. Prends des objets et il est dans l'utilisation. Ça par exemple c'est un harmonica. Mais c'est un super jeu. C'est trop marrant. Tu fais quoi? On coupe les ongles. On est des merdes. C'est la pire vanne de l'histoire. Waouh. Ces lunettes sont incroyables. Alors, mets là sur leurs yeux. Comment nous? Mais attends, je crois qu'il fallait pas du tout faire comme ça, il y a des boutons. C'est la première fois que je vois ça de ma vie par contre. C'est en train de te faire corriger. C'est en option le balcon. Si tu payes pas, il s'ouvre pas. Allez. C'est pas possible, elle est bloquée. Mais ça, c'est un très mauvais point. Il y a un putain de gars. Oh putain. Il allait prendre pour des cinglés. Tu tirais depuis tout à l'heure. Tu tirais alors qu'il fallait pousser. Je t'assure qu'il n'est pas fait exprès. Je me sens humilié. Eh ben ça fait plaisir. C'est sympa le petit balcon. C'est super grand en fait. En vrai, le balcon ça compte dans la balance et dans le prix. Soyons un petit peu honnêtes. Même si je trouve que 500 euros ça reste quand même encore cher. Après, on n'a pas encore fait les services de l'hôtel et tout. C'est vraiment pas rigolo là. Ça va ou quoi? Tu regardes les toilettes là, ils sont comme ça. Quand je ferme et que je rouvre. C'est marshmallow! Pour l'instant, mec, je le mets plus 4 étoiles que 5 quand même. La chambre qu'on a eu quand même bien. C'est juste ça vaut pas son prix. C'est quoi ça? Je pense que c'est un espèce de plaid, hein. Ça? Ouais. Il a disparu. Oh, c'est fou ce truc. Dis donc, t'es un petit prestidigitateur, toi, tu serais pas magicien? Tu fais pas des formations de magie? Alors non. Je suis un petit cachotier parce que depuis tout à l'heure, il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Il est 18h33. À 19h, nous allons nous faire masser pendant une heure. C'est vrai? Il y a d'extrêmement mauvais avis sur les massages. Les massages sont notés 1. C'est vrai? Non, arrête. Le mec, il a fait un massage, il a eu un lumbago. C'est vrai ou pas? C'est complètement faux. J'étais dans la salle de bain, je crois que Alex, caché. Alex, il est où ce gros malin? C'est comme les chats, genre ils laissent dépasser un truc. T'étais là? J'étais une réu. Dans une réu, t'étais derrière le rideau, frère. J'étais une réunion. Quel type de réunion derrière un rideau tout seul? Mais on est dans un hôtel business, j'étais ma réunion là. Bah vas-y, passe. Ah je t'ai dit, on est dans un hôtel de business. Bah voilà, tu vois, je te l'avais dit. Je me suis fait virer, il m'a viré. Ah ouais, mais t'as pas cru aussi. De toute façon, c'est une entreprise de merde. Fallait croire au projet, hein. C'est quoi? C'est de la poussière. Non, ça c'est pas de la poussière, mec. Ça c'est une crotte de nez. C'est pas mal, hein. En vrai, je trouve ça rigolo. Parce qu'on avait pas encore d'idée de comparaison. On a fait que des trucs dégueux. Puis là, même, ça donne envie de lécher. Donc. C'est un petit peu abusé, là, peut-être, de lécher. Mais mec, pourquoi des iPhones? C'est un truc de fou. Ah, c'est le dernier, en plus. Putain, c'est le prototype du 14. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. Ça va bien, merci. Vous avez rendez-vous pour deux massages? Oui, c'est ça. Il faudra vendre dans cette cabine et l'autre personne avec Stéphanie juste à côté. Oh bah merde, on n'est pas ensemble. Vous allez pas voir grand chose, je laisse la caméra tourner. Si je me fais peser une côte, j'ai les preuves. Ça va, il y a assez de pression pour vous? Ouais, c'est bien. Ouais. Vous pouvez en mettre encore plus? Le but, c'est pas que ça fasse mal. Hein. Le mec qui a pas compris. Ah, moi, j'ai envie de souffrir. Est-ce que vous souhaitez que je vous masse le ventre? Oh, au son, oui. Ça a été. Ouais, super. Oh, ça va, mec? C'était génial. Je suis détendu et tout blanc. Je suis le ficello. Alors, ok, c'est un poil cher, d'accord. Déception totale, janvier 2022. L'endroit faisait présager un superbe dîner. Tu vois, ça parle encore des dîners. Le service n'est pas à la hauteur. Le prix versus la qualité-quantité, c'est hors de prix. Oula, des pâtes à 35 euros. Si c'est des pâtes à Laure, je veux bien, mais si c'est des pâtes d'une meuf qui s'appelle Laure, c'est moins cool. Fuyez cet endroit, le service est catastrophique et d'une incompétence rare. C'est encore le resto. Une étoile, impersonnel et catastrophique. Dîner gâché. Tu sais ce que c'est, un dîner gâché? Ça fait mal. C'est dîner avec toi. Ouais, ouais, bah. C'est un dîner avec toi sans toi. Ouais, un restaurant qui a pas de toi. Oui. Genre une terrasse, quoi, du coup. C'est quoi cette blague? Elle est nulle! On y va? C'est le service qui a pas l'air bon, mais est-ce que la cuisine aussi a pas l'air bonne? On avait réservé pour 21h. Ouais. J'ai un petit film. C'est ça, reportage sur le meilleur barman de l'histoire. Non, c'est une blague. Impressionnez-nous. Cocktail signature. Le prix est inconnu. Très mauvais signe quand le prix est inconnu. Bah là, on a PMU là. Un PMU où on ne parie pas, on boursicote. Non, j'ai même l'ambiance, mais pour l'instant, je dis bah, peut-être c'est la caméra. Il y a moyen que ce soit la caméra. On se disait, le truc va être éclaté au sol. Ouais. J'attendais ouais. À ça. Donc, est-ce que le fait que ce soit on moyen, une ouais. Nous surprend pas, tu vois. On va te laisser ça. Et le bouquet. Merci. Magnifique. Raconte, mon ami. Tu sais qu'il y a des façons de tenir son verre et moi, j'ai pas du tout les codes. J'ai aucun code. C'est super troublant, j'ai l'impression de manger un litchi. Tu sais ce que j'ai l'impression de manger? Non. J'ai l'impression de manger une addition salée.
Et non, ce n'est pas le diplôme du baccalauréat. C'est bel et bien le menu. T'as pas eu ton bac toi? Bah mec, il est juste là. Je le prends. Non, t'as pas eu ton bac, je pense que tu mens. Mais il est là, je le prends toujours avec moi. À chaque fois que je me déplace, statistiquement, il y a toujours un gars qui a son bac sur lui. Vraiment, il l'a dans son portefeuille, il l'a plié en 8. Mec, regarde la première entrée, c'est une burrata dépouille. C'est marrant parce que j'ai plutôt l'impression que c'est une burrata qui me dépouille. Les mots me fument. Jambon, prosciutto, crudo de Parme. 18 mois d'affinage. 18 mois. Tu sais ce que c'est 18 mois? C'est deux grossesses. Et tu sais ce que c'est deux grossesses? C'est deux enfants. Regarde le prix des plats. Bah du coup j'ai pas nécessairement hyper faim. Mec, je pense vraiment que les avis c'est à cause des prix. C'est à cause des prix, 100%. Corsé. Quand t'arrives et que tu veux juste consommer en fait. Moins de 200€ on fait pas. Hein. Ah bah il suffit de regarder la carte. On a rien en dessous. On peut prendre une entrée. Ça coûte cher. Mec, nous sommes là pour tester. Y'en a une, je comprends pas. C'est quoi? Catastrophique. Cocktail décevant. En fait je pense que c'est ça. Très peu chargé, c'est très cher. Mais ils sont bons. Faut accepter de se faire dépouiller. C'est un truc que tu t'en rends compte que quand tu veux manger, mais en gros la chaise est trop haute par rapport à la table et du coup c'est super casse-couille. Je suis pas du tout à l'aise mec. Non mais oui, tu vois ce que je veux dire. Non mec, en fait regarde là, faut que ça soit comme ça. Mec t'as pris du poulpe. Mec j'ai pas du tout aimé, je pensais, j'ai confondu le poulpe avec un autre truc. Ça a coûté 38€, tu manges. Moi t'es là, il y avait marqué purée de pommes de terre, c'est ça la purée de pommes de terre. Oh, c'est bon, elle est là. Et le dessert. Mec c'est un cube Minecraft. Bah, la gueule du mien. Oh là 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 là. Franchement mec, tu vois, son restaurant, et bah je comprends les avis et les notes. Ça vaut 3,5. En fait, en tout ça nous a coûté 220€ mec. C'est du mobilier de bar. Et t'as les prix d'un restaurant gastronomique. Mais c'est pas du gastro. Juste pour la comparaison, un dîner chez Philippe Etchebest, c'est 51€. Philippe Etchebest. Oui, lui là. Lui. Alors c'est pas fini. Il nous reste encore quelques trucs à voir dans le petit déj, salle de sport aussi. Pour l'instant, je suis pas satisfait. C'est un bon hôtel, mais qui vaut clairement pas son prix. 1010€ la nuit, mec. Ça vaut pas 1010€. Surtout. Il n'y a même pas de jacuzzi. Genre, le meilleur truc qu'il y a, je crois que c'est un sauna. Au restaurant, t'as pas remarqué que plus le temps passait, plus la musique augmentait. Ça, c'est une technique, je l'ai vu en marketing quand j'étais en école de commerce. C'est le marketing sensoriel, c'est un pauvre truc pour te troubler. Pareil pour les chaises. Tu vois, t'es mal installé, machin. Ouais, comme ça, tu restes pas longtemps. Tu consommes plus rapidement. Rentabilité. En vrai, nous, il y a la vidéo derrière, donc ça va. Genre, je pense aux gens qui viennent ici qui mettent 1000€. En fait, c'est très bizarre cet hôtel parce qu'au premier abord, t'as l'impression que c'est très classe. Mais du coup, ils s'en servent pour justifier des prix. C'est cher pour ce que c'est. On ira voir la salle de sport et le petit déjeuner demain. Peut-être on va avoir une surprise. Wouhou! Mec, il fait quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fous? Je vais clairement te le piquer. Hey gros malin, heureusement que je me suis réveillé avant toi parce que... Je vais faire ça mais j'ai pas eu le courage de me lever. C'est un jeu. Challenge PVP. On est dans World of Warcraft. Il y a un point d'interrogation au-dessus de ta tête. Ah ouais. Hey, il y a une boîte de dialogue. T'es un PNJ, tu donnes pas de quête, t'es juste là pour remplir le jeu. Ça c'est pour impressionner la commu. Toujours tu prends la longe. Ouais. À la distance. Oh. Ah, je me suis fait trop mal à la hache. Il était beau le kick. Il était beau. Il était beau mais j'ai plus de chemise. Si je me bats j'ai qu'un coup. En vrai la salle de sport a l'air plutôt bien. Juste il y a pas assez de poids. Waouh. Cette salle est impressionnante. Depuis que je suis arrivé, mes muscles ont doublé. C'est pas vrai, ça fait 2 ans que tu t'entraînes. Bonjour. 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 Vous serez deux? Yes. On s'installe. Exactement, c'est on ça. On voit que vous êtes guide touristique sur Paris. C'est super drôle. Attends, après les objets, c'est les monuments. C'est oui. Super drôle. Vas-y, on se fait plaisir. Attends, c'est mauvais. Pour 45€, tu as un avocat de toast, un café, un jus de fruits et des petites mini viennoiseries, mais t'en as genre deux. C'est ce qu'on appelle ça, c'est le racket occidental. Super beau, cet avocat de toast. Ça coûte une couille en même temps, Léonard. Mon omelette, c'est un avant-bras. C'est un poumon. Énorme, mon omelette. 90€.